J'espère que vous allez bien. Moi, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça, nickel. Et oui, comme vous voyez sur ma main, on se retrouve pour un deuxième tuto. Et oui, un deuxième tuto, les amis. Cette fois, comme vous voyez sur ma main, c'est un tuto fait spécialement pour les villes. Pourquoi? Parce que c'est un tuto que si vous voulez faire des villes, ça peut vous servir. Ça peut vous servir. Ça peut vous servir grandement. D'un côté, ça peut pas vous servir, mais chacun ses goûts. Chacun ses goûts, voyons. Donc, ah oui, et aussi, n'hésitez pas à me dire, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que vous aimez bien, ça y est, moi, ça va nickel. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez. Si j'avais un concept de vidéo, c'est tout simplement, je crée une ville tout en vous faisant des tutos. En gros, c'est j'avance la ville, mais en même temps, je vous fais des tutos. Alors, dites-moi si ce concept vous plaît. S'il vous plaît, je le ferai. S'il ne vous plaît pas, bah, je ne le ferai pas ou j'y ferai quand même. Tout verra, je le ferai pas. Mais tout verra, tout dépendra des noms des commentaires et des personnes qui veulent que je fasse une ville en tuto ou s'ils veulent que je fasse pas une ville en tuto. Voilà. Alors, si vous voulez que je fasse une ville en tuto, n'hésitez pas. Mettez hashtag ville tuto et si vous voulez pas, vous mettez hashtag pas tuto. Au moins, je comprendrai. Voilà. Donc là, on va commencer par les trucs de base de ville. Les lampadaires. Déjà, pour un lampadaire, il faut des barrières. N'importe quelle couleur, c'est comme vous le souhaitez. Des pierres lumineuses. Des trappe n'importe lesquelles aussi hein, comme vous voulez vous choisissez c'est gratuit c'est totalement gratuit et tac et après vous avez déjà vous avez la lampe hein, vous avez les on va dire les sortes de trappes qui protègent la lampe. Et voilà, vous avez un lampadaire. Simple, basique, efficace. Et il éclaire en plus le. Et il éclaire la nuit. Après, bien sûr, les lampadaires, vous les mettez, vous voyez à côté de vos routes, là, si vous faites la ville. Vous les mettez soit à côté de la ville, soit à côté d'une maison, soit à côté d'un parking. Si oui, je sais aussi faire des parkings. Mais bon, ça sera dans le tuto ville, si vous voulez que j'en fasse un. Du coup, si vous voulez que j'en fasse un, du coup, ça sera un nouveau concept. Du coup, ça sera ville, tuto 1, ville, tuto 2. Voilà, ce sera ainsi de suite. Si vous voulez, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez, hashtag ville tuto. Si vous voulez pas, hashtag pas tuto. C'est comme vous le souhaitez. C'est vous qui décidez cette fois. C'est vous qui décidez. Maintenant, on va faire la route. Déjà, on va faire des. Pour les trottoirs, vous utiliserez les dalles de pierre lisse. Pour la route, vous utiliserez du quartz, des blocs de quartz lisse. Et pour moi, personnellement, j'utiliserai des blocs de charbon. Pourquoi moi, ça fait style goudron? Voilà. Et là, vous avez votre route. Vous avez vos routes. Déjà, par exemple, faites votre trottoir. Hein. Trottoir, voilà. Hein. Votre trottoir, bien sûr, de deux, parce que au moins votre trottoir est pas étroit. Et vous faites après une. Vous repassez de deux. Vous cassez deux lignes de terre, puis vous les remplacez des blocs de charbon, ce qui va du coup vous faire votre goudron. Ce qui va du coup vous faire votre goudron pour votre route. Si vous faire votre goudron, vous allez me faire ouais, mais la route, il n'y a pas que du goudron, il y a aussi des petits trucs blancs. Hop! Hop, 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 j'ai tout prévu, ne vous inquiétez pas. Par contre, la vache, elle a rien prévu.
Après, vous mettez dans juste à côté, vous écartez d'un, comme vous voyez, vous écartez d'un, comme vous voyez, là-haut, pour que ça fait les traits de la route. Comme ça. Voilà, et bien sûr. Comme ça, hein, comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites encore une ligne de deux. Vous cassez deux lignes de terre et vous les remplacez de charbon pour faire tout simplement du coup le goudron, tout simplement. Pour faire le goudron. Donc voilà. Vous avez fait déjà vous avez votre route là. Là vous avez votre route. Puis après vous mettez de l'autre côté aussi, hein. Vous mettez aussi de l'autre côté bah, votre trottoir parce que faut bien que les citoyens aient des trottoirs. Ils vont pas marcher sur la route pour mourir. Ça serait bah, stupide. Et après, et les trottoirs toujours de deux. Et là, vous avez votre route. Je rappelle deux. Deux. Je rappelle la deux, hein. La route fait 5 au total. Et après les trottoirs, c'est 2. Et pour cette route, il faut 2 dalles de pierre lisse, bloc de charbon lisse et bloc de charbon pour faire le goudron. Là, vous avez votre route. Si vous voulez même faire une vraie route éclairée, utilisez les sauges que je vous ai dit, les blocs que je vous ai dit pour les lampadaires, ce qui veut dire barrière, pierre lumineuse et une trappe. Et après, vous les mettez un peu. Un peu n'importe où, comme ça vous les mettez. Après, ce qui va éclairer du coup la vie, ce qui va éclairer votre ville pour qu'au moins il n'y ait pas de monstres, pour qu'au moins il n'y a pas de monstres, il n'y a rien quoi. Et après, vous faites ainsi de suite les lampadaires et la route. Du coup, là vous avez votre route et votre lampadaire et votre route et votre lampadaire pour votre ville, pour votre ville. Maintenant, on va faire quelque chose de décoration de ville, qui est une fontaine. Pour cette fontaine, vous aurez besoin de pierres de briques, de dalles de pierre, des dalles en briques de pierre, des escaliers en briques de pierre. Ah oui, il faut beaucoup de briques de pierre. Et de l'eau, ouais, un seau d'eau, quoi. Il faudra aussi avoir de la place. Ce qui n'est pas possible. Il faudra aussi que ça ne pleuve pas. Ce qui n'est pas possible. Parce que bon, voilà. Voilà. Donc, vous cassez 3 déjà. Comme ceci. Il faut qu'au milieu, il y ait un carré. Comme ceci. 3 de chaque côté, il faut qu'au milieu il y ait un carré, et après vous cassez le carré tout en haut, hein. Vous cassez tout après, hein, tout simplement, pour qu'après ça vous fait une sorte de centre de carrefour. Voilà, comme ceci. Après vous remplacez, vous mettez des blocs de briques de pierre. Pour faire tout simplement le sol de la fontaine, vous remplacez ici par de la brique de pierre. Pour, bah, ça fait les contours du coup de la. Ça vous fait du coup les contours bah, de tout simplement la. Après, vous mettez sur les blocs qu'on a mis qui sont enterrés dans la terre des dalles dessus. Simplement des dalles de pierre dessus pour qu'après l'eau elle puisse pas tomber un peu partout. Voilà, là déjà c'est pas mal. Puis après un peu de réaliste, une petite touche de réaliste, hein. Comme ça vous mettez un peu de feuillage pour que ça fait
Ça fait stylé. Voilà. Voilà. Déjà, votre fontaine devrait ressembler à ceci. Du coup, voilà. De la pierre ici, des demi-dalles. Elle devrait ressembler à ceci. Logiquement. Et vous mettez comme ça. Faites comme ça. Vous faites une grosse tour au milieu. Et puis, petite ellipse. Re. Donc, comme je disais, voilà. Faites comme ça, une petite tower. Hein. Puis, vous prenez vos escaliers en briques de pierre. Vous les mettez comme ceci. Tout autour. Bon, excusez-moi du petit lag. Comme ceci. Vous les reprenez. Vous les mettez dessus les escaliers en pierre, mais à l'envers, comme ceci. Voilà. Pense-t-on vous allez me faire. Oui, bah c'est moche. Pop, 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 pop. Ce n'est pas terminé. Comme ceci. Voilà. Puis après ici, vous faites comme cela. Vous laissez deux d'écart, vous faites comme non, d'un d'écart, excusez-moi, hein. Je me suis trompé, comme ceci. Voilà, puis vous prenez les escaliers, vous faites comme cela. Comme ceci. Et non. Non, non, les amis, je me suis trompé. Bon, attendez, petite ellipse. Re. Re, re, re. Donc, comme vous voyez, voilà, c'est bon, j'ai compris comment faire. Oui, si j'ai un bug, je me rappelle plus comment faire. Donc, vous faites comme ceci. Voilà. Comme ça, hein. Bien, vous faites bien comme ceci, comme je vous le montre. Ne faites pas de bêtises, hein, parce que après ça va, si vous ne faites pas comme ceci, bah, ça va, on va dire, rendre moins, ça va être moins meilleur, ça va être moins bien que ça va donner à la fin. Et les escaliers à l'envers, hein, à l'envers. Voilà, déjà, tout va bien. Tout va bien. Après, comme ça, non, vous prenez les briques de pierre, voilà. Oula, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ah bah, le bug, là, il se termine. Pas. Attendez. Attendez, attendez. Ah. Attendre. Bon. C'est bon. Le bug est arrêté. Et heureusement. Bon, excusez-moi, hein, ce bug. Hein. Excusez-moi. Ah bah non. Voilà. Bon bah voilà. Bon, passons. Donc on fait comme ça. Vous mettez d'un. Hein. Deux DK. Deux. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Vous allez me faire, bah, bah c'est moche. Non, 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 non. Attendez. Vous verrez à la fin. Ça ne sera pas moche. Comme ceci. Comme ça. Puis après, ça fait une magnifique fontaine. Comme vous voyez. Comme vous voyez, ça fait une magnifique fontaine. Ma. Ah, je vous le dis, hein, la fontaine, elle est badass. Moi, honnêtement, je la surkiffe. La fontaine, elle est magnifique. Par contre,
C'est vrai qu'elle est assez dure à faire, la fontaine, mais ça vaut le coup de la faire parce qu'elle est magnifique. Si vous savez pas quoi faire dans votre ville, ça passe tranquille. Mais dans tous les cas, c'est la fin de ce petit tuto. Donc si tu veux que je fasse un tuto, si tu veux que je fasse une ville en tuto, hein, dans la description, comme je l'ai dit en début d'épisode, tu marques. Si tu veux que je fasse une ville en tuto, hashtag ville tuto. Si tu ne veux pas que je fasse une ville en tuto, hashtag pas tuto. Mais en tous les cas, si vous voulez me contacter dans la description, si vous voulez rejoindre mon serveur dans la description, mais dans tous les cas. Et bien sûr, n'hésite pas à liker, partager, commenter, maintenant pourquoi, ouais, super, ouais, j'aime pas, voilà, n'importe quoi. Et à commenter, ça m'aiderait grandement. Mais dans tous les cas, c'était Psycho Gaming pour un petit tuto, pour un petit tuto. Allez, ciao! I'm gonna put you in.